Bonjour et bienvenue dans le Vlogmas numéro 6 où je ne sais même pas ce qui va se passer. Je suis à Paris chez mon cher père, en tout cas dans son studio avec Léo que j'ai retrouvé hier. Tu peux voir tout ça dans le Vlogmas numéro 5. Et le plan actuellement c'est qu'il est 9h et que je vais retrouver mes agentes Emma et Lola qui sont les fondatrices de l'agence Aura et qui sont devenues des amies proches vu que ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble et qu'elles sont extraordinaires. La moto est d'accord. Il y a quelques semaines, quelques mois, elles m'ont dit: Lou, on sait que tu as une liste des 27 choses à faire avant tes 27 ans qui s'affiche juste là. Et elles m'ont dit: on aimerait t'aider à réaliser certaines choses dessus parce qu'on sait que t'as plus beaucoup de temps et que tu vas pas réussir à tous les faire. Mais je ne sais pas, c'est à dire que sur la liste là il y a beaucoup d'items pas cochés. La randonnée de 8 heures, je pense que ça va pas le faire. Mais par contre il y a plein d'autres options et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc objectif full surprise, c'est ça l'idée. Et puis moi je ne sais pas gérer les surprises, donc j'ai posé plein de questions, comment je dois m'habiller, on a rendez-vous où, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, quelle heure, et du coup ça les fait rire et elles se moquent de moi. Mais on va y aller avec détente et enthousiasme. L'enthousiasme il est là, la détente je suis pas sûre parce que j'ai archi mal au ventre, le resto d'hier j'ai tellement pas digéré, c'est l'enfer, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, mais l'enthousiasme est présent. On y va, 45 minutes de métro pour traverser tout Paris, j'ai plein de vidéos YouTube à regarder, ça va être parfait. Bonjour madame. Alors j'ai dit au vlog déjà, mon nom est kidnappée par tes vilaines agents. Complètement kidnappée. J'ai dit que je ne savais pas ce qui se passait, mais que l'objectif c'était avancer sur ma liste des 27 choses à faire avant mes 27 ans. Oui, effectivement, voilà. Y a un peu de ça dans cette journée. Ok, il n'y a pas y a que... un peu de surprise aussi. Ok, d'accord. On n'a pas trouvé de cours de twerk à Paris. C'est disponible aujourd'hui, dommage, dommage. On a caché d'autres cases. Eh ben ok, alors tu me donnes des indices, tu te rends compte? Ça va, j'ai enlevé un truc sur toute une liste. Non mais c'est surtout pour soutenir ton contenu, pour te soutenir toi, que nous aimons beaucoup. Plutôt que de faire des cadeaux tout le temps, parfois sans aucun sens, pour vous remercier de votre soutien, de tout ce que vous faites avec nous, c'est aussi pour nous la plus belle des façons de soutenir des créateurs et des créatrices. On dirait que tu l'as préparé. Et c'est sorti tout seul comme peut-être ça. Peut-être qu'un jour je ferai de la politique. T'as fait du théâtre d'impro un jour dans ta vie? Pas du tout. Non mais incroyable, non mais magnifique. Par contre quand je vois la Star Academy j'ai très envie d'en faire. Ok, donc pas de twerk, plusieurs surprises, un peu de tout, ouais. Objectif, me faire kiffer pour me remercier de... De tout, de ta confiance, de tout, okay. De la vie que tu nous offres. Ok. Finalement. Incroyable. Alors que moi, je suis en mode, c'est génial, grâce à mes agentes, j'ai réussi à avoir la vie de rêve que je voulais et genre elles m'ont propulsé, m'ont aidé à aller là où c'est je voulais aller. C'est le cercle, c'est si ça va bien pour toi, ça va bien pour nous. Ah, j'adore. Donc objectif, que ça aille bien pour moi toute la journée. Bah oui. Pour que ça aille bien pour vous après. Toute la journée, toute la vie. Toute la vie. Quand est-ce que je vais voir le truc, le premier truc, et quelle sera ma réaction? Est-ce qu'il faut que je filme la réaction? Bah là, on va tourner là, on va y être. Ok. Tu vas très vite reconnaître, je pense. Enfin, tu vas très vite comprendre. Ok. Tu peux filmer, mais tu pourras filmer à l'intérieur sans problème. D'accord. On commence doucement ce matin, on est chill. On est chill. Voilà. Ça va faire appel à ton cerveau. D'accord. Et puis c'est tout ce que je veux dire, parce qu'on arrive vraiment... Alors, c'est pas ça, mais pourtant ça aurait été très drôle. Oh, waouh. Trop drôle. Atelier Lou, j'adore. On va peindre des trucs. On va peindre des trucs. On va peindre des trucs. Sur ma liste, il y a peindre de la vaisselle en céramique. Qu'on devait faire ensemble en plus. Mais oui, j'ai eu l'idée de noter ça sur ma liste grâce à toi. Et nous y sommes. Incroyable. Oh waouh. L'impression d'être genre à l'école, en atelier à l'école. C'est excellent. Ah non mais trop cool quoi. La sadique, hors caméra, je m'installe, je suis tranquille. Elle se désinfecte les mains donc elle se les frotte en même temps qu'elle dit ce qu'elle a dit. Elle dit bon là c'est chill. Mais à un moment donné dans la journée j'aurais besoin d'un peu plus d'énergie. Dites dans les comms, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Non mais c'est pas ça qu'on va faire. Bonjour. Non, c'est pas de suite mes compétences en fait. Oui. Je suis contente parce que tu vas être pire que moi je pense. Et ça c'est... Tu n'imagines pas mais... Ouais. C'est terrible hein. C'est très grave. J'ai honte et en même temps bah faut faire avec. Je peux pas lutter contre. Mais en même temps vous êtes là quoi. En même temps si t'arrives à faire ça c'est... Ah non hein. Moi si j'arrive à faire ça je suis très fière de ah, moi. Ah oui oui. Moi je serai sur un objectif de ça, je sais que ça va pas être trop horrible. Ah c'est pas mal. C'est les pièces d'argile, ici la faïence.
et elles ont été façonnées puis cuites une première fois. Donc la cuisson, ça a duré 24 heures et c'est monté jusqu'à 1000 degrés. C'est pour ça que la pièce est aussi libre. Mais vous verrez, elle est encore poreuse. Vous pouvez toucher, vous sentirez que c'est un peu granuleux. Je regarde un petit peu et je me dis, il y a beaucoup de techniques qui sont hors de ma portée. Moi, je pense que je vais rester sur ça. Ça peut être. Ça c'est joli. Ça, c'est joli, c'est simple, c'est pic, 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 pic. J'aime bien. C'est un bon bol à céréales, ça. C'est un bon bol. C'est un bon bol, ça. Moi, je peux avoir une petite assiette, s'il vous plaît. Ça ? Oui. Merci beaucoup. La simplicité. Finalement. Mais beaucoup de surprises à la fin. Est-ce que vous pouvez me faire un état des lieux, point d'étape? Alors moi j'ai fait tout le gros œuvre. Ouais. Trois couches recto, trois couches verso. Ok. Il y a mon âme et ma croyance là-dedans, d'accord? D'accord. Je vais attaquer maintenant le détail qui va faire toute la différence. Mais je m'en tiens secret, je vais voir ce que c'est. Très bien. Emma, on en est là, à ce stade. Clairement on est sur une inspi. Est-ce que dans la réalité ça va être ce qui se passe dans mon cerveau? Je vous invite au prochain épisode. Et pour moi, eh ben, j'ai déjà fait tout l'intérieur. Ah oui, pardon. D'accord, attends, on n'a pas du tout suivi. Fais-moi un état des lieux, ma grande. J'ai fait une couche de beige sable et par-dessus un petit mouchetage de bleu marine. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Tourne pour moi. Oh putain de merde. Talentueux. Attendez, j'ai perdu le mouvement des pieds. On avance tranquillement. Voilà, il y a une petite pression sur le temps. Il y en a qui sont stressés, quoi. Et puis il y en a d'autres qui sont des stars naturellement. Wow. This is so, so beautiful. So beautiful. I can breathe anymore. Oh, on voit la caméra qu'elle s'est twistée de ouf. Allez, montre-nous. Bah, ça a été un travail de longue haleine déjà, je tiens à vous dire. Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer dans cet art? J'ai voulu exprimer que les rageux rageront. Te rappeler à tous les goûters que finalement tu les manges tous, quoi. À la fourchette. À la fourchette et à l'huître. Très bien. D'accord. Superbe. Emma, à vous. Étonnamment, ça s'est plutôt bien passé. Par rapport à la dernière version, on est plutôt abouti. C'est réussi. Oui, on est sur cette double utilisation du fragile comme une insulte et fragile pour parler de l'état de l'assiette finalement. Finalement. On est sur une interprétation complètement philosophique hein, de cette œuvre d'art. On appelle plus ça de la vaisselle en fait à ce stade. Ouais. C'est quelque chose qu'on accroche au mur tout simplement et qu'on ne mange pas avec quoi. On le regarde, on l'admire tous les jours et on se rappelle que l'humain est avant tout un être fragile, comme une assiette. Voilà. Alors, j'ai rien voulu exprimer. Moi, je voulais juste manger dans un bol joli. Ouais. Ça suffit les messages compliqués. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est sûr, certain, c'est que je vais aimer mes épices, mes courgettes et mon pudding de chia et mes myrtilles fraîches dans ce très beau bol qui sera bleu ciel et mouchila. Et non pas un pudding de chia. Et non. Donc nos céramiques sont parties en cuisson et on les récupérera la semaine prochaine, ce sera dans un prochain vlogmas. Quand on sera au passage du désir de Lyon avec les filles, je récupérerai ma vaisselle. J'ai hâte, ce sera très très beau. Prochaine surprise, je n'ai aucune idée de ce que c'est mais je crois qu'on est un peu en retard parce que je vois que Lola trottine. Un kilomètre de bordel. Pas trop vite hein, la dame elle a ah oui c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout qu'on n'est pas pressé hein. Ah on n'est pas pressé? Non. Ah bon bah ça va alors. Donc là on va à une pause déjeuner. On va faire une activité qui requiert une partie du corps. Bon. La bouche pour manger. C'est bien frais, mais ça me revigore. Ouais, bah je vois ça, mais. Je vous avoue que ça m'a énormément stressé la céramique. Quand je vous dis qu'à un moment j'avais la nausée, je rigole pas, tellement concentrée. Ça me faisait des problèmes de vue, j'étais pas bien. Du coup, bah là maintenant qu'on est sorti, je me sens revivre quelque part. Alors, mon loulou, est-ce que t'as des idées de ce qu'on va faire cet après-midi? Sachant que si tu devines, je te dirais que t'as pas deviné, donc voilà. Je n'ai vraiment aucune idée. T'as pas des pistes dans ta tête? Non, je me dis qu'on va manger à un moment donné, ça c'est certain. Mais à part ça, alors du coup, il y a besoin d'un peu d'énergie à un moment donné, m'a dit Emma. Vraiment, c'est terrible, je n'ai aucune idée. D'accord, donc tu te dis ça va utiliser l'énergie. Faites semblant qu'on va pas à un cours de twerk alors qu'en fait on va à un cours de twerk. Je me dis que c'est le pire parce que vous avez tellement essayé de me faire croire qu'on n'y allait pas. Je comprends. C'est dommage que tu sois complètement à côté de tes pompes, mais bon. Après je me dis. Pas besoin de pompes pour twerker. Juste un bon gros cul.
C'est faux, si vous n'avez pas de fesses, vous pouvez quand même twerker, hein. tout le monde peut twerker, bisous. Si j'ai eu une idée, je me suis dit un truc physique, qui soit pas du twerk, mais qui ressemble, tout à que ce soit la même veine, un peu à la mode, en même temps stylé, reprise de contrôle du pouvoir féminin, etc. Ok. Peut-être du pole dance. Je me dis peut-être... Oh, très bonne insight pour la prochaine fois. Peut-être ça impliquera un bubble tea à un moment donné, parce que ça me fait toujours plaisir un bubble tea. D'accord. Mais je suis pas sûre. Je vois pas pourquoi on te ferait boire des bubble tea, enfin T'as pas besoin de nous. Bizarre. Si, je connais cet endroit. Je connais. C'est très très bien aujourd'hui, demain, si vous connaissez pas. Sachez que c'est un très très bon bail, je suis ravie d'être ici. Bon, vu que je suis mal vibine, on va prendre quelque chose de petit. Je pense que je vais partir sur un petit bol de mac and cheese ou chorizo. Instagram. Presque, YouTube, tu veux dire bonjour? YouTube, je peux dire bonjour. Coucou YouTube. Voilà, c'est bon. Voilà, on est aujourd'hui, demain, on est samedi, du coup demain on sera dimanche. Voilà, ouais. Excellent. Excellent. Bonjour le vlog, ça y est, on va manger. Et alors ça c'est quand même un sacré mac and cheese. Petit mac and cheese pour une petite faim, pour une dame Lou qui n'est pas là. Et ici on a un burger. Madame, un mot? Je suis épatée, vraiment je suis épatée, c'est trop beau. Oh wow. On est sur du très très bon, hein, comme à chaque fois. Lola elle est en PLS là, elle est heureuse avec son... Lola on va faire quoi? Non, rien, on va rien faire. C'est quoi, c'est la troisième activité? Une activité lambda, pas ouf. Pas ouf? Non. C'est-à-dire pas ouf? On utilise de l'énergie du corps. D'accord. Emma? Emma? C'était une tentative de blague? Ouais, c'est de nous emmener. En fait, je pensais que t'allais vite caler parce que je pensais que t'avais le retour. Bah, au bout d'un moment, j'ai vu qu'on était plus que deux, ouais, en effet. On va faire un karaoké? Oui. On va faire un karaoké? Oui. C'est trop bien. J'avais envie de faire un karaoké depuis des années. J'ai jamais fait de karaoké professionnel. Waouh! Trop Allez, bien! Tous ensemble, ouais. Tous ensemble. Tu vas voir, c'est génial! Tu vas voir, c'est génial! Échauffement! Échauffement! Ouais! 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 Ah, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée! C'est privatisé, hein. On est que trois, on a notre salle à nous. Trop bien, c'est exactement ce que je veux faire depuis que je regarde des mangas. Tu vas voir, en plus tu vas trouver ça très joli. C'est la première fois que je rentre ici sans avoir les yeux bandés. Et moi sans être bourré. Il est un peu tôt. Ici vous avez quoi faire pour un test de lecture. Ouais. Par exemple top 50 du bas, vous cliquez dessus. Space Girls, ajoutez à la liste de lecture. C'est un exemple. Aime-moi toutou, montre-le-moi toutou. C'est mini, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou? Tu me manques beaucoup. Yes. On disait au revoir définitivement à la monétisation. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Christmas tree. I just want you all my own, more than you could ever know. Make my wish come true. There is light when the wind was so cold.
avec la tyrannie. Vive la République, adieu l'Afrique, je ferme la boutique. Je voudrais déjà être roi. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est ça, bon. Allez, on continue. Allez. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? Oui, bonjour. Alors, on espère, ma chère Lou, Loupchi, comme dirait certaines personnes. Hey Loupchi, Loupchi, merci beaucoup pour ta présence. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements ce soir pour plusieurs personnes. Tout d'abord, je voudrais saluer les musiciens. Vous avez Emma, l'instru. Emma, 15 ans de carré ensemble, merci pour tout. Et ensuite, je voudrais surtout... évidemment, remercier la reine de la soirée, la grande, la fabuleuse, l'inégalable Loupchi. Ou devrais-je dire Madame Bebetti? Quand je dis loup, vous dites che. Loupchi, 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 loupchi. Et sans oublier notre incroyable, notre dynamique, notre hilarante, notre personnage ivre, celle qui tient la baraque en toute occasion, j'ai nommé Lena. Sans vous, nous n'existerions pas, sans vous, tout sera. Le monde du spectacle n'existe pas sans vous. On compte. Merci pour votre soutien. Ça suffit. Soutenez les petits commerces, les petits artisans, les petits artistes qui dans le cœur sont déjà grands. It's time to stop. It's time to stop, okay? A few moments later. Oh, c'est la panique. Oh, c'est la panique. Oh, ça va louper son train. Ça va louper son train de ouf. Ah oui, elle court. Ah ouais, elle court vraiment. Faut qu'on débriefe, Emma. J'espérais que Lola soit là pour le débrief, mais on va faire ça toutes les deux. Parce que c'était intense. Dans la peau, sur la jambe, je me la joue, mais non. Lou. Oui. Qu'as-tu pensé de cette journée? C'était incroyable. J'aimerais que tu filmes toi, oui, quand tu réponds. Pardon. Je suis tellement reconnaissante. C'était trop bien. Les surprises t'ont-elles plu? Oui. Tout. Elle a des petites étoiles dans les yeux. C'est, oui, sûrement le reflet de la guirlande. Mais pour le storytelling, on dirait que c'est le bonheur. Non, c'était vraiment trop bien. C'est genre deux activités que je voulais faire dans ma vie. D'ailleurs, on va changer sur la liste des 27 choses à faire moi-même à 7 ans. Clairement, on va faire une modification que j'insère ici. Parce qu'on va enlever la randonnée de 8 heures qui est une torture. On va rajouter, voilà, faire un karaoké à la place. Qui reste une torture physique. Non, je suis pas d'accord. Oh, j'ai mal. Oui, moi aussi j'ai mal à la gorge. Mais tu sais, ça le valait. D'accord. Tu sais, il y a une balance, ouais, de genre positif-négatif. Ça me va. D'avantages inconvénients, de, oui, bénéfices-risques, tout ça, tout ça. C'est, ça vaut le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis prête à passer 2 jours sans parler. Du coup, Lola, je suppose que tu vas regarder ce vlog. Merci. C'était une super journée avec vous, avec Lou. On s'est amusé, mais comme des fous. La suite des activités, je te les filme. Mais en tout cas, la journée avec mes chéris, ma journée surprise est terminée. Et ça valait le coup de ouf. Je suis tellement reconnaissante. Merci YouTube, parce que grâce à toi, on vit des aventures. De ouf. C'est grâce à vous qu'elles m'ont proposé ça. C'est grâce au Vlogmas. S'il n'y avait personne pour regarder les Vlogmas, elles m'auraient pas proposé ça. Je n'aurais pas lâché la CB. Ok, test du bubble tea que m'a conseillé Emma. Nous avons, laisse-moi reprendre, 3 sirops, passion, hibiscus, pomme verte. Et en perle, mangue. Bouche avec ton doigt, la sortie. Et puis c'est moi qui t'apprends des choses en bubble tea. Mais parce que moi je l'ai fait tous maison. Ok, pardon. C'est hyper bon. Genre y a pas un défaut? Non, tout va trop bien ensemble. Est-ce que, ouais, tu es pas une star d'avoir réussi à faire cette compo incroyable? Si, c'est excellent. On a le côté floral de l'hibiscus, on sent la passion, on sent la pomme verte, les trois sont acides. C'est une trois acidités. C'est trois acidités différentes, avec le sucré de la mangue, c'est super. On vient de re-regarder tous les rushs du karaoké. Je réitère mes excuses à mon monteur, mon frère, qui va monter ça. Mais ensuite, moi je tiens à préciser une chose, il est entre 15h et 17h quand même. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Oui, il y avait des anniversaires d'enfants autour de nous quand même. Mmh. Et on n'a pas bu une goutte d'alcool, on était au Perrier. Moi j'ai bu un cidre le midi, voilà. Un cidre rosé. Je ne jette la pierre à personne.
petit cidre rosé à midi, mais c'est tout. C'est tout, messieurs, dames. Moi, je pense que c'est naturellement en nous et c'est ça qui est beau, finalement. Ça fait la beauté de la vie. Et sans alcool, la fête est plus folle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, juste pour préciser le contexte. Sinon, il n'était pas 2h du matin avec 3 grammes. Il était 16h avec un Perrier. La journée n'est pas terminée, puisque j'ai retrouvé le Léo, qui est juste en face. Voilà. Et nous sommes actuellement dans l'ascenseur de mon petit frère. On va retrouver mon petit frère pour dîner. Et ça va être Inception, parce qu'il monte cette vidéo. Et il m'en veut sûrement à l'heure actuelle, mais il ne le sait pas encore dans le présent quand je vais le voir. Et ça, c'est très rigolo. C'est étonnant que je parle. Bonjour le vlog. J'ai besoin de soutien parce qu'on se moque de moi ici. On est d'accord que je suis pas la seule à aimer le mougou mougou. Non mais j'ai besoin de soutien dans les commentaires là, parce que j'ai vraiment en face de moi 6 yeux, 3 paires d'yeux qui me jugent. Toi tu bois, ceci dit. Je te vois boire un peu de mougou mougou. Mais c'est... En fait, je crois que la meilleure analogie que j'ai, c'est si on avait mis trop de sirop dans un verre, alors la moitié, rempli l'autre moitié d'eau et mis des bouts de noix de coco dedans. Donc objectivement c'est pas mal parce que c'est sucré, mais bon... Voilà quoi. C'était l'intervention du monteur. Il a un prénom, ok. Respectez les monteurs. Ouais. Invisibilisation du travail de la post-production. Notre monteur. Et nous repartons de chez Swan. Il est 23h. Nous commençons à être sérieusement fatigués. Cette journée a été très longue. On a très peu été dans le studio. Enfin, moi pas du tout. Toi, vite fait, ce matin, t'es resté genre une heure de plus que moi, quoi. C'est la fast life de Paris. Fast life parisien. Je vais terminer ce vlog maintenant. Je pense qu'il est temps. Et en plus, je ne te l'ai pas dit, mais je filme ces vlogmas en avance. Donc demain, moi, je ne vais pas vlogger, mais tu auras quand même un vlog. Parce que vu que je filme en avance, je peux me permettre d'avoir des petits délais, tu vois, d'avoir des timings un peu plus élargis. Donc je filme pas tous les jours du 1er au 24 décembre, j'ai commencé un peu plus tôt. Et donc là, on est un peu plus tôt, on n'est pas encore tout à fait en décembre dans ma vraie vie. Mais toi, tu passes le 6 décembre. Donc avec ce petit temps que je m'accorde, demain, je ne filmerai pas, mais toi, tu auras quand même un vlog de toute façon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Emma et Lola de Aura de m'avoir offert cette incroyable journée parisienne. Merci beaucoup à toi d'avoir été là pour toute cette aventure. C'est juste incroyable ce qui se passe. J'adore ma vie, c'est magnifique. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour le vlogmas numéro 7. Mouah.